Bonjour les scorpions! Bienvenue sur ma chaîne L'Oracle de la Providence. Donc je vais vous faire une guidance pour le mois d'avril, hein, à partir du 13 au 30 avril. Voilà, donc on va regarder les énergies, voilà, les énergies sentimentales, générales. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, lune en scorpion, ascendant scorpion. Voilà, on vous parle de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à des trahisons, etc. Voilà, on va regarder un petit peu plus loin. On vous parle de lâcher prise. Oui, on vous dit de lâcher prise par rapport à des trahisons, par rapport à de la ruse. Voilà. On vous dit qu'il y a de la réussite. Hein. Voilà. Donc on vous dit de lâcher prise, qu'il y a de la réussite par rapport aux obstacles. Alors, on va aller chercher un petit peu plus loin. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. On vous dit de sortir de vos illusions, d'arrêter de douter, hein, par rapport aux gens qui vous entourent. Finalement, il n'y a pas de problème de trahison, de ruse. Les gens sont assez clairs autour de vous, hein. Voilà. On vous parle de printemps, hein, donc les choses se réveillent tout doucement. Voilà. On va regarder donc pour les scorpions. Scorpions. Voilà, on voit du renouveau. Regardez comme ça. Voilà, il y a de la loyauté. La fin des obstacles, la réussite est l'été. Donc, en fait, on vous dit de ne plus vous inquiéter par rapport aux trahisons, par rapport aux ruses, par rapport aux gens qui sont autour de vous. On vous dit que tout est bon. Il y a de la loyauté, de la fidélité en amour. C'est la réussite pour vous. Comment dirais-je? C'est l'été, tout est bien. Voilà, tout est lumineux. Hein, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance aux choses qui se présentent autrement. Oui, il y a le bonheur, il y a le bonheur. Voilà, le bonheur qui va durer parce que cet hiver, ça a été un petit peu compliqué. Hein, l'hiver, il y a eu quand même des souffrances, il y a eu des agressivités, des disputes au niveau d'un couple. Hein. Donc, on a été obligé de couper quelque chose, on a perdu, bien sûr, certainement une relation passée. On vous dit que vous avez la force. Hein. Les imprévus. Voilà, avec une femme. Il y a des nouvelles d'une femme ou une nouvelle femme dans votre vie. Voilà. On vous dit que le passé est derrière vous, qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter, que les choses, vous avez fait un beau travail. Il y avait de la jalousie. De la jalousie par rapport à une femme ou une femme était jalouse, oui, par rapport à un homme. Il y avait de l'instabilité dans le couple. Voilà, il y a eu de la distance de prise. On vous dit de vous protéger. On vous dit de vous protéger par rapport à cette ancienne personne. Voilà, on vous dit que il y a une évolution, une évolution. On va retrouver un équilibre. Voilà. Donc là, le voyage, la projection et le boomerang. Voilà. Alors, on a quitté une situation, une relation qui ne nous convenait plus. Donc, et pour laisser place à quelque chose de beaucoup mieux, puisqu'on avait quand même eu de la trahison, voilà, de la ruse, enfin bon, des gens qui n'étaient pas très, comment dirais-je, pas très clairs quoi dans leur désir. On vous parle de soleil aujourd'hui, on vous parle de soleil, on vous dit que les attachements c'est terminé, on vous dit que vous avez retrouvé l'équilibre. Hein, voilà, vous allez sur ce chemin-ci. Voilà, on vous parle de la protection de l'archange Chamuel et on vous dit que maintenant vous pouvez ouvrir votre cœur et qu'il y a une femme, je dirais avec un cœur pur qui se présente puisque vous avez fait le point sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Ce que vous ne voulez plus, c'est avoir le cœur brisé. Donc on vous parle d'évolution, de réussite et d'abondance. Hein. Donc c'est super. Je pense qu'il y a un travail
de retour à soi qui a été fait, qui est très très bien, donc ce qui permet de voir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut surtout plus. Voilà, on a l'amour qui est présent ou qui arrive. Hein. Ah oui, cavalier dragon. Voilà, donc il y a vraiment un amour puissant, pur, très agréable à vivre, qui arrive rapidement. Mais c'est beau ça. Voilà. Oui, donc en fait, on a cet amour qui arrive puisque nous avons travaillé sur nous-mêmes en regardant ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Il y a la magie qui a opéré. Donc l'amour, du coup, est présente puisqu'on a, on sait ce qui n'est plus bon pour nous, tout simplement. Donc c'était, bien sûr, on vous dit de purifier vos peurs, bien sûr, de ne plus avoir peur aux relations puisqu'aujourd'hui, vous savez, vous ressentez, vous avez l'intuition pour savoir si la bonne personne est présente ou pas. C'est super. On va demander un petit message des anges pour conclure. Ah, ben, on en a deux. Hein, elles sont, voilà, on vous parle de materner. Voilà, on vous dit, l'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, on en revient bien là-dessus. Et on vous parle de sensibilité. Donc, on vous dit, l'archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt.